D'abord, il y a eu la résolution de l'OEA et il y a de monde qui estimait que la résolution de l'OEA eh bien, il ouvrit la voie à une assistance internationale en termes de sécurité. Est-ce que vous partagez avec ça, Monsieur Joseph Olpierre? Bon, les résolutions et puis tout, note de presse qui sous OEA. En fait, pas finouel comme ça. La seule chose, ça m'a positif là-dedans, c'est que OEA, je ne veux dire là, il est beaucoup plus réaliste par rapport à la position de gagné. Et en août année passée, même si tout gagnant bémol bon mété, position août année passée à côté. À de reconnaître irresponsabilité ou bien responsabilité internationale là, n'est ça qu'a passé en Haïti, ya. Mais c'était position spécialement secrétaire général là, qui pas assemblée générale là, c'est des voix différentes, c'est pas le même organe. Mais position a changé. Parce que l'on a regardé, gagner une hiérarchie, n'a jamais pour problème à résoudre, journée aujourd'hui, il y aurait avant tout fort problème sécurité à résoudre, insécurité à résoudre. Après ça, il y aura question humanitaire, et enfin, il y aura élection. L'OAB, les documents, c'est comme ça, et point au décliné. Dans ce sens, moi, je crois beaucoup plus réaliste. Mais, qui est-ce qui décidait avant tout, non, et OEA? Fondamentalement, c'est les États-Unis qui sont beaucoup plus influents, parce que c'est lui-même qui va pratiquement, si je ne me trompe pas, n'importe 75% budget. De toute façon, plus que le tiers budget, c'est les États-Unis qui capable de comprendre que c'est les États-Unis qui sont beaucoup plus influents. Après ça, le Canada. Maintenant, ça qui est vrai, c'est que OEA pas gagné capacité tant qu'aux Nations Unies pour l'immobiliser et force militaire. Il n'y a pas une capacité, ça. Il n'y a pas un organe pour ça. Maintenant, comme États-Unis, nous, ouais, il était toujours montré l'intéressé et l'a multiplié non seulement l'y rentrer dans la PCE, ouais, à travers organes, ça, autant que multilatéral, tant qu'OEA ou bien Nations Unies. Et ensuite, la multiplier les rencontres bilatérales. Yo, nous capable de dire peut-être que l'IGN a beaucoup plus d'intérêt. Même pas quoi. OEA n'a lui-même, parce que OEA pas gagné capacité pour le déployer force militaire. Même pas quoi n'a lui-même, il est capable de faire ça. Maintenant, par le fait que, ou gagné toute position ça, ou gagné OEA d'un côté, ou gagné Nations Unies non l'autre, ou gagné une équipe rencontre bilatérale qu'a fait, Haïti t'a gagné intérêt. Pour l'immobiliser beaucoup plus, pour lui, ouais, qui gens, il était capable de bénéficier de yon intervention internationale militaire, même si, je ne veux dire, après, il s'appelle Dibarrel, vas-y, crée encore. Mais en fait, nous pensons que, oui, mais c'est pas qu'on va le faire pour peut-être pas. Professeur, on a pas gagné capacité pour le faire beaucoup de lits. Maintenant, gagné un point, le chapeau qui dit que les gros pays qui ont des difficultés, faut que même nous aider à rétablir l'autre. Est-ce que résolution, c'est un instrument que a bâillé tête lit pour y aller chercher aide ça dans notre partenaire pour le porter bâillé aux États membres? Bien sûr, c'est justement ça, dans chaque OEA, et soit, y aurait les SAM, quoi, c'est dans chapitre 2, à si je me trompe, il y aurait les SAM, sécurité collective. C'est comme ça, chapitre titré, sécurité collective. Depuis, on m'a attaqué, c'est comme si tout l'autre m'a attaqué, depuis, on attaqué, on m'a attaqué tout l'autre m'a. C'est comme ça, c'est dans l'esprit, ça, lié. Mais en fait, ça, c'est un discours, mais réalité, à son l'autre bagaille lié. Et chaque les OEA intervenu, que ce soit les intervenus en Haïti, que ce soit les intervenus PO, chaque les types d'intervention, ça, c'est toujours sous leadership au pays tant qu'aux États-Unis. Donc, OEA n'a lui-même l'irrité ou organe qui a pris résolution, mais pas une capacité de mobilisation pour lui faire l'autre pays au décider. Pays qui a décidé, par exemple, sous dim, yon n'a point passé qu'une capable de souligner, Brésil, sous dim, position Brésil, quoi qu'on y est là, avec force Brésil, gain. Et puis tout le monde pour souligner, avec sincérité Brésil, nous capables de comprendre que Brésil capable mettait quelque part en application ça, on va dire, mais il n'y a pas besoin de pour le faire, c'est relation bilatérale avec Haïti, ou bien avec Canada, ou avec États-Unis. Nous donnons dit encore, ça qui est intéressant dans la démarche OEA, c'est que OEA a toujours fait pression, élection avant tout, depuis le télé, depuis avant Jovenel. Mais maintenant, il a changé d'histoire, c'est ça qui est important pour moi, mais OEA a une capacité pour lui à le faire mobilisation, à le chercher et pays pour faire déploiement force militaire, là, parce qu'il a une capacité ça. Mais là, déjà, j'ai rencontré avec le ministre des Affaires étrangères et brésilien, ou je m'a cherché mon ministre, Mauro Vieira. Mauro Vieira.
et on parle sur plusieurs sujets de coopération bilatérale, mais yo je nous façon quand même pour mettre Haïti dans agenda discussion. Est-ce que selon même discuter d'Haïti avec le ministre des Affaires étrangères brésilien par madame Jolie qui est selon une sorte de consensus au niveau communauté internationale, c'est lui qui gagne leadership sur crise haïtienne là. Est-ce que ça fait suite avec résolution UEA? Est-ce que lié avec résolution UEA d'après compréhension et pour ça? Peut-être l'ICA lié avec lui, mais deux pays ça n'a pas même besoin OEA pour ça. Mais comme OEA a déjà pris une résolution ça, je pense que le vient renforcer relation bilatérale ça ou bien réunion ça entre Jolie avec Vieira. Pour moi même, rencontre ça d'après moi, il est beaucoup plus important que rencontre qui fait dans OEA. Dans la mesure où États-Unis li aller dans même ligne avec Canada. Parce que Canada quelque part c'est lui même qui gagne leadership et rapport international avec Haïti, mais Brésil, c'est pays qui plus important dans la région, hein. Brésil, c'est pays qui plus qu'a supporté Haïti dans la région, hein, à cause de idéologie Lula, à cause de capacité Brésil et à cause de histoire relation Haïti avec Brésil. Pour moi même, cette réunion ça beaucoup plus important que rencontre qui fait dans OEA. Son bagage pour nous garder, pour nous prendre très au sérieux et nous Lula t'es gagné position ferme dans G7 et au Japon. Living Gay, il tourne avec même position un mois après la France dans PAC financier, dans nouveau PAC financier. Elle déjà dit ça en septembre, libéral porter et problème Haïti à que international indifférent dit d'après ça, il dit libéral porter Nyon Deli en septembre. Donc ça veut dire que Lula gagne en position. Sous-suive bien. Position Lula gagne kounye là, c'est position Abinader gagne. Mais attention, intention yon pas même, capacité yon pas même. Li évident que intention Lula ou capable comprendre relation Lula et Brésil avec Haïti, c'est le jour avec la nuit avec relation Saint-Domingue avec Haïti. Et ensuite, c'est pas même leader. Donc, ça fait Lula, c'est pour nous prendre très au sérieux. Pour nous, on a toujours dit qu'on a un déficit de crédibilité. Lula, c'est pas seulement Lula crédible. Non, Lula crédible, mais Lula qui a capacité ou qui a crédible ou pas une capacité. Lula crédible, et puis ils sont forts. Mais ça veut dire que faut nous prendre très au sérieux. Relation Haïti, discours Lula gagne là, pour nous, qui j'en étais capable de bénéficier de ça, pour supporter nous. Non seulement pour, on support, ça, en fait, jusqu'à présent, on parle d'intervention militaire, il dit support, soutien à la police, mais, c'est ça que deuxième option, si ça nous prend à le gagner, même des une intervention militaire, son soutien à la police, on va le gagner, ça c'est une. Il y a une question humanitaire, là, tout, pour nous, ouais, importance, Lula. De 2010 à journée aujourd'hui, international, là, Haïti, par exemple, joint plus que 20% d'aide pour question humanitaire. Il va même joindre plus que 20%, on dit pas de données Nations Unies. Il va jamais joindre plus que 20%. Je ne j'ai dit, année, ça va besoin 720 millions de dollars américains. Yo, je seulement 23% dans l'argent, ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? De façon réelle, position internationale, là, de 2000, ça, je ne j'ai dit, elle pas changé par rapport à Haïti. S'il change, elle pas, non, disculpe, elle a une action concrète. Une action concrète, c'est eux-mêmes qui réalisaient que 2 millions de monde, pardon, et 5 millions de monde en Haïti, besoin, non, crise de sécurité alimentaire. De sécurité alimentaire. Eh ben, si c'est eux-mêmes qui ouèlent, ils battent comme ça, ils battent comme ça, ils viennent en chiffre ça. Donc, nous t'attendons que, apport, yo, augmenter tout, soutien financier augmenté par rapport à problème qui aggravé, mais il va changer. C'est 23% lié qu'on y est là, d'ailleurs. Non seulement, il y a une base de données, yo, et puis, Guterres, secrétaire là, dit le tout. Donc, ça veut dire que position n'a pas changé. Et enfin, il y a une question, élection. Lula, qui a aidé nous dans tout pareil, ça va me passer. Ça fait Lula, faut nous prendre très au sérieux. Les modalités de renforcement de la police nationale haïtienne ont été discutées pour faire face aux graves problèmes de sécurité publique qui affectent le pays. Selon Mauro Vieira, il s'agissait de dialogues exploratoires pouvant déboucher sur des mesures de soutien à la sécurité publique haïtienne. L'ambassade du Canada au Brésil lui-même dit que rencontre avec le gouvernement brésilien est servie pour discuter de la manière de coopérer pour soutenir les efforts régionaux pour rétablir la sécurité et renforcer les institutions en Haïti. On commente sur deux contraintes du sein. Et je pense que l'idée, première idée, c'est l'intervention militaire que nous avons bien encore. Deuxième, ça qu'on a discuté là, c'est que Jean Pouillot supporter la police pour résoudre le problème. Je pense que sous deuxième
deuxième étape ça dans évolution discussion internationale en passant étape moins tergiversation mais malgré tout toujours gagner aller mener venir donc mais avec Brésil qui est entré dans jouet là je pense que réellement nous pourrons gagner. États-Unis montrent volonté, Canada montre volonté, même si ni on ni le pape de côté tête. Donc avec Brésil qui a tenu la chouette, tout bon vrai, nous pourrons gagner. La police pourra gagner soutien ça. Mais est-ce que la on soutient efficace pour accompagner la police? Parce que la police a si tellement de problèmes. Donc est-ce que la police soutient efficace pour résoudre le problème? Ça, c'est la première question. Deuxième question, deuxième commentaire, je pense que il y a tout sens li parce que. Comme problème Haïti, c'est un problème régional, je vous dis là. Si on paye tant que Brésil est rentré là-dedans, et c'est pour Brésil t'es capable, et laisse à Haïti t'es capable de participer dans la discussion. Qui genre l'autre pays dans la région importante, tant que Chili, qui a même orientation avec Lula, et AMLO Mexique, qui a même orientation avec Lula, qui genre pays ça t'es capable de participer, Argentine, tout, qui genre t'es capable de participer, non, et dialogue régional ça pour y avoir nécessité pour y aider à résoudre le problème non parce que problème Haïti est un problème régional et me penser donc oui allez-y ça qu'a passé qu'on y est là montré on va m'a dit longtemps nécessité pour Haïti jouer jeune aujourd'hui à la sous deux claviers faut Haïti toujours développer chercher contrairement à ça mon qu'a pensé chercher développer relation on est capable dit même de neutralité avec pays développés aux États-Unis, Canada, la France, parce que pays ça n'est pas capable, on ne peut pas se passer d'eux. Donc nous obligés ouais qu'ils soient capables de développer certains rapports avec eux. Mais les de neutralité. Cependant, sous pays pour nous compter en pile en pile en pile, parce que y a plus volonté et y a plus intérêt pour y aider nous, pour y supporter nous. C'est pas pays nous dit là, c'est les pays du Sud. Et spécialement pays Amérique latine. Faut qu'Haïti commence à prioriser rapport, les relations li avec pays tant qu'au Brésil, tant qu'au Mexique, tant qu'au Argentine, tant qu'au Chili, même si pays ça a été changé de régime, pour nous gagner une sorte de rapport histoire avec eux, pour nous capables toujours bénéficier de relations avec eux. M'a regardé, Brésil gagne 9 voyages officiels en Haïti. 9, c'est important. Haïti fait 5 voyages officiels Brésil et autorité New York. Et parmi moun qui sont Brésil, il y a 2 présidents. Ou gagne Lula qui visite nous, en 2008. Ou gagne Rousseff qui visite nous, c'est en 2013. Donc ça veut dire que c'est important pour nous intérêt Brésil pour Haïti. Donc faut que nous questions pays du Sud, questions pays émergents, et surtout ça qui. Et regardez Lula, parce que son génie, Lula a développé position Lula dans BRICS, position Lula, rapport Lula avec la Chine, ça n'a pas empêché les jouer libyen pour le développer. Bon, j'en rapporte tout avec Canada, avec États-Unis. À un point tel que pays ça, quelque part, il y a marché derrière parce que ouais, c'est tellement important. Donc, faut qu'Haïti nous-mêmes, nous pas bien force ça, faut qu'on développe, ça me relève une relation de neutralité avec pays, développer pour quelque part nous pas agacer aux questions d'intelligence stratégique géopolitique mais de notre côté ce pays pour nous miser en pile en pile en pile en pile pour une société on a 3 ces pays du sud pays émergents spécialement Amérique latine Brésil Chili Mexique Argentine pays ça Professeur Pierre et récemment il y a plusieurs initiatives tout à l'heure tu as parlé de résolution mais avant ça tu as eu un rencontre qui était fait en Bahamas entre Kamala Harris c'est plusieurs autres chefs d'État avec le gouvernement dans la région dossier Haïti a parlé résolution visite Madame Jolie au Brésil côté évoqué et dossier Haïti a gagné échange téléphonique entre Macron et Justin Trudeau. Et récemment, c'était fin mois de juin, côté au palais de Haïti, il y a visite du secrétaire général des Nations Unies et en Haïti et dans lequel il se passait à M. Guterres, gagné Anthony Blinken qui a rencontré avec chef l'État, avec chef gouvernement de Carré comme jeudi, il a parlé avec le Premier ministre Henri sous crise haïtienne. Est-ce que différentes initiatives ça, selon vous-même, et marquer un changement de dynamique politique là, si vous voulez, sous crise haïtienne au niveau international là, et puis tout, est-ce que vous pensez que la diplomatie haïtienne est en mesure, si toutefois il y a un changement de dynamique,
au changement et la façon que tu es crise là, la façon que jusqu'à présent tu réagis avec crise là, est-ce que la diplomatie haïtienne là, est en mesure pour l'exploiter coup de projecteur ça, ou bien qu'est-ce qu'elle a fait pour l'exploiter coup de projecteur ça, professeur Aoun Pierre? Trois bagailles pour nous. Premier bagaille pour nous, et là, nous sommes capables de dire, gagner une opportunité pour Haïti. Parce que, dans l'année qui passé là, il était plus difficile avec, avec guerre ou ici Ukraine. Là, il y a un certain dénouement dans la crise ça, où les prix produits et matières premières ont commencé à descendre, prix pétrole commencé à descendre. Donc, crise n'a pas dans le même sens encore. Pays ça, yo, qu'on y est là, il y a un petit temps. Yo capable essouffler pour yo penser qu'à Haïti, parce que avant tout, ouais, toute énergie, toute attention, l'ité est concentrée sur conflit aussi avec l'Ukraine. Donc, ouais, quand il dénouement, eh ben, c'est même côté à ouais, tout, yo gagne une énergie au minimum qui yo capable et dépenser sous cas Haïti. Ça, c'est le premier bagage pour nous profiter, il pas toujours comme ça, ou pas contre qu'il y a l'autre crise qui va éclater. C'est le premier bagage pour nous, ouais. Deuxième bagage pour nous, pour l'idée dit là, est-ce que, diplomatie non, capable de gérer dossier ça pour Haïti profiter de coup de projecteur ça j'en relève là. Malheureusement non, Haïti diplomate n'est pas capable de faire ça. Joseph Paul-Pierre, avant de te proposer la parole, tu as expliqué que il y a un changement de dynamique qui est que observé et puisque réalité qui te gagne dans l'Ukraine, d'un côté, toute énergie, t'es canalisée vers l'Ukraine, il commence à se casser, attention, commence à se casser, baisser. Donc, ça qui vient faire que, pays, yo, gagne plus dans l'agenda, et yo retourne à, et penser sur Haïti. Mais en même temps, on dit que, ou par quoi, diplomatie haïtienne, non, et li en mesure pour li profiter de coup de projecteur, ça que Haïti veut bénéficier, et dans le niveau géopolitique. Pour qui ça? Diplomatie pas capable parce que tout d'abord gen image Haïti projetée à l'extérieur. Une expression toujours utilisée, gagne un grave problème de déficit de crédibilité d'Haïti comme pays, comme État. Maintenant, diplomatie était supposé gagner prestige, compétence pour les combler, pallier quelque part. Déficit de crédibilité, ça. Mais, ou quoi que, moun yo nommé, dans différents postes diplomatiques yo, c'est sous toute qualité relation, sauf sous qui gens yo capable d'aider pays ya. C'est pas sous niveau sérieux, c'est pas niveau compétence, c'est pas expérience, mais c'est tisan mi, ti ménage de qualité. C'est comme ça lié. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous quoi que, niveau corruption qui gagne en diplomatie, hein, autant de toute qualité, scandale qui s'est éclaté là, 85 millions d'dollars, toute qualité posée. Donc, ça montre que diplomatie, il gagne tout objectif sauf Haïti. Cependant, diplomatie, elle pas différent de reste l'État, genre l'État fonctionne en Haïti, c'est incompétence, c'est corruption, c'est crime, c'est barrage. C'est ça que tu as dit diplomatie. Donc, ça veut dire que même pas quoi diplomatie nous gagne là, capable. Mais si diplomatie est capable, mon cher, nous t'avons gagné un pile chance pour nous profiter de attention yo bay Haïti nan conjoncture qu'on y est là, or les papes comme ça pour tout le temps. Mais bon, si l'autre raison encore qui fait que, bon, l'autre raison encore qui fait que, même si diplomatie a été capable, et bon, deux problèmes ça va très lié, c'est que acteurs local yo, si gouvernement avec opposition, nous, ouais, c'est ça, États-Unis a demandé qu'on y est là, et Blinken, pour aller parler ça encore avec, Ariel Henry. Nécessité pour yo, y ont élargissement, du HCT, etc., du gouvernement, bah, ça, écoutez. Si, gouvernement, parce que, ouais, démarche internationale, là, j'en ai dit, et surtout avec Brésil, c'est clair, et l'autre pays, autant sont démarches démocratiques. Il n'y a pas toujours comme ça. En 2004, c'est pas démocratie, c'est pas la force. Mais ils changé de donne. Ça veut dire que si acteurs locaux n'ont pas qu'à mettre tête ensemble, et il est évident qu'ils n'ont pas qu'à mettre tête ensemble, parce que je vous dis, culture démocratique, c'est apprendre ou apprendre. Je pense que c'est tant qu'on a dit un acteur haïtien parler chinois. Je pense que tant qu'on a fait une discussion chinois avec eux, donc je pense qu'on a fait une discussion chinois. Ni moi, je ne vais pas faire non plus, parce qu'il faut apprendre avec là. Donc, il n'y a pas de culture démocratique là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cas, il n'y a pas de arriver en consensus. Il y a une sincérité. Qu'est-ce qui va passer en conséquence? Qu'est-ce qui va passer en conséquence?
eh bien, pour soit empiré chaque jour plus, n'a perdu conjoncture jusqu'à ce que, jusqu'à